Salut tout le monde, c'est Kyo. On se retrouve aujourd'hui pour un let's play. Vu que j'ai terminé celui de Crash il y a pas longtemps, enfin pas longtemps, théorique. du coup, bah cette fois c'est un nouveau let's play. Il va être c'est un RPG donc il devrait durer bien plus longtemps que Crash, mais bon. Donc c'est Night of Azure, hein. Il y a le titre devant vos yeux de toute façon. Bah, pas grand chose à dire, j'ai déjà présenté ce jeu il y a quelques mois. Si retournez donc voir la vidéo si vous voulez en savoir un peu plus avant que je démarre le jeu. Du coup, bah on va pas traîner, on va directement faire une nouvelle partie et je vais. Bon, pour ce let's play, je vais un peu. Je vais pas trop parler vu que bon. Pas grand chose à dire pendant les let's play en fait. Puis en fait, l'ambiance du jeu est tellement géniale que gâcher avec l'ambiance avec ma voix, ça va être un peu con alors. Ah, parce que la soundtrack de jeu elle est magnifique. Une des meilleures soundtracks ever que j'ai entendu. Enfin bref, j'ai décidé de faire ce let's play parce que bon, c'est un jeu du cœur, hein, clairement. Et puis je ferai le 2 dans la foulée. Mais bon, pour l'instant, on va commencer par le 1. Hein. Par contre, je préviens, j'ai pas joué au 1 depuis pas mal de temps. Du coup, je risque d'être un peu. Bon, je connais le jeu par cœur, mais niveau habitude, je risque de. Au début, je normalement ça devrait bien se passer, le jeu n'est pas trop compliqué, enfin surtout au début, ça va aller. Normalement tout devrait aller pour le mieux. Voilà. Donc, j'espère que ce display va vous plaire. Hein. Pour peu qui vont le voir. c'est un très très bon jeu pour moi. Il est un peu mieux que il est mieux que le 2 quand même. Le 2 est pas, il peut être pas dégueu comparé à ce qu'on peut entendre à droite et à gauche. Non, il est dégueu, il est juste un peu moins optimisé quoi. Allez, je laisse la cinématique. J'ai des mots, il a une de ces tonnes de sang en lui, s'il te plaît, quoi. Le mec qui me transperce, c'est juste une fontaine du monde qui explose, quoi. Le mec a tellement de sang qu'il a créé un continent, quoi. Bon, au début ça va être un peu lent, hein, comme tous les RPG. Bon, après c'est pas vraiment un RPG, c'est plutôt un hack and slash où on va stimuler pour arrondir un peu. C'est pas vraiment pareil, mais pour expliquer les genres, hein, dans les jeux vidéo quand même. Ouais. Bon, je vais les dialogues, je les laisse, hein, évidemment. Je vais faire un let's play pour rusher, hein, c'est un let's play, j'espère pour suivre l'histoire. C'est pas pour vous que j'ai pas trop de mal en anglais, mais j'imagine que depuis le temps que j'ai habitué avec mes vidéos, il va pas y avoir de soucis. それにしても久しぶりだな。
最後に会ったのはドイツで大物を買った時で、そうね、2年ぶりくらいか。Après c'est pas vraiment un pur RPG, donc il y a pas beaucoup de, il y a pas tant de discussions que ça dans le jeu. そうね、お仕事をしたり、イギリス、フランス、ポルトガル、ヨーロッパはほとんど回って、そうなんだ。思い返してみると、へえ、アーナスはアメリカ。アメリカ？それはまた遠く。任務はそれほどでもなかったんだけど、現地まで行くのが大変だったな。今にも沈みそうな小舟に乗って、波に揺られていったんだ。何度死ぬかと思ったことか。ああ、アーナスって。うん。なんで船になんて乗りたがるのかわからないよ。向こう岸に渡りたいなら、橋を架ければいいし、魚を釣りたいならそこらの川でこと足りる。人間は地に足つけて生きるのが一番なんだよ。わざわざ水の上に行く必要なんてこれっぽっちもないじゃないか。あ、アーナス、わかった、わかったから落ち着いて。ごめん。うん。アーナスが昔から変わってなくて、あ、でもこの島にも船で来たんでしょ？だ、実はあんまり大丈夫じゃない。さっきから船酔いで頭がグラグラしてる。あら、大変。じゃ、ホテル？ええ、教皇庁の協力者が待っているの。さっき見てきたけど広くて。さすが教皇庁。Ça va être tranquille, ils prennent tout leur temps pour discuter alors que dehors c'est juste pas tranquille du tout, quoi. Allez. On va commencer un peu. Bon, par contre, le Yakishiel, je l'ai pas, ça. Ça vous concerne pas, on va dire. Qu'est-ce que tu as fait, Lulitis? 急に笑ったりして。アーナスと一緒にいるんだなって思ったら、つい嬉しくなっちゃって。なんだよ。私たち、学生の時はずっと一緒にいたじゃない？寄宿舎で一緒に起きて、遊んで、なのに、卒業したらめったに会えなくなっちゃって。私、とっても、リュリーテス。だからね、アーナス。今回は、またあなたと一緒にいられて、そっか。ねえ、リュリーティス。この島、あまり大きくなさそうだけど、景色は綺麗。この任務が終わったら、一緒に見て回ろうよ。いろんな話をしながら。アーナス！絶対よ！約束。うん、約束。そうと決まれば、こんな任務さっさと終わらせちゃおう。ええ！ロシエクロックが反応している。というか、ええ、邪妖たちが潜んでいる証拠だわ。ああ、フェルマン！なんだ。ジャーコエリ LEA！ セルバンが呼び出す前に勝手に出てくるな。お前たちはセルバン、うん、私のしもべなんだからちゃんと言うことを聞け。ケルフェロイエイゼ。はいはい、頼りにしてますよ。まあ、あれ。まあ、私さ、大丈夫かしら。お金で増やす。Bon, par contre, comme tous les jeux, les démos, la clinchage, tout ça, au début, vous n'avez pas d'armes, vous n'avez pas de combo, vous n'avez rien. Donc, je vais certainement faire. Enfin, au moins deux vidéos, les mêmes coups. Pas trop du choix. Ça reste quand même basé sur un RPG, donc c'est bon. Hein. En termes de durée, je pense que ouais, les vidéos vont faire entre 30 et 40 minutes. Je vais pas faire moins, parce que sinon je vais faire moins 60 vidéos. J'ai trop envie. Ça me fait un peu chier. Putain, la bande son. Tellement épique. C'est abusé. Elle est monstrueuse, la bande son de ce jeu. D'ailleurs, le jeu que je manquais d'avoir une bande son aussi marquante.
même s'il est inférieur au 1 sur beaucoup de points, la bande son reste toujours aussi génial dans la série. Je pense à baisser le son des attaques. On n'entend pas trop la musique. Quand je veux dire, dans les combats, il y a trop de. Les voix encore, c'est pas trop dérangeant. Mais faudrait que je passe ça dans les options. Faudrait que j'y pense. Je peux le faire maintenant, mais je le ferai. Dans la prochaine vidéo. Je vais dans les options. Je baisserai un peu le. Ces nouvelles parties, ils ont dû zapper mes options que j'avais mis pour mes parties à moi. Je sais que j'avais viré, j'avais mis le son des coups et des voix un peu plus basses, j'avais laissé la musique à fond. ロジエクロックに溜まった青い血を浄化したわ。これでしばらく青き血に蝕まれずに済むはずよ。ありがとう。ところで、そいつは、ああ、この猫ちゃん、アーナスの戦いを見ている間にお友達になった。なんてのんきな。どうしたのかな？お腹空いたの？ルー。<笑> 早くお家に帰ってご飯をもらいましょうね。どうしたの、アーナス？私の顔に何でもない。ひとまず先に進め。まだ夜が潜んでいるみたい。ね。あ、 j'arrête à l'hôtel si vous arrêtez de discuter toutes les deux, tous les deux mètres. Comme j'ai dit, si je parle pas, c'est fait exprès. Hein. Je trouve que dans un RPG, enfin dans une histoire comme ça, je vois pas trop ce que je pourrais dire. Je préfère vous laisser savourer, on va dire, le jeu, la bande son, les voix des persos qui sont très bonnes aussi. La voix d'Arnie, c'est très. Dans la voix d'Arnie, c'est comme ça, c'est haut, du moins, je le connais. Voilà, je vais arriver. Alors je devais rester dehors à part à discuter, bah voilà. Putain, elle y croit, elle. Hein. Une fois qu'elle va la rattraper en courant par les rues. Mais... expliquer le système, comme je dis, ou au pire retourner voir ma première vidéo, celle qui expliquait le jeu, hein, clairement. Je vais faire un petit rappel si vous voulez, mais vous allez bien comprendre au fur et à mesure qu'on avance dans le let's play. Vous allez voir faire des manipulations dans le menu et tout ça, vous allez comprendre ce que je fais à part. Je n'ai pas aussi facile que ça quand même. Les boss sont assez hard quand même. Certains mobs peuvent vous faire mal aussi. Mais bon,
Les pets vous êtes beaucoup quand même. Les pets sont. Bah, les pets sont quasiment tout le boulot. Faut savoir les gérer, tout ça. Bon, là au début, j'en ai pas beaucoup. Donc... Bon, moi je connais les pets au petit du jeu, mais. On n'est pas prêt de les avoir, donc au début. Ouais. Il y a quand même un peu de farm dans le jeu, donc au pire, je ferai du farm hors vidéo, évidemment, puisque farmer en vidéo, j'ai pas envie. Et vous avez pas envie non plus. Je sais qu'il y a une ou deux zones où il va falloir que je farme. Donc je farmerai à ce moment-là. Hors vidéo. Bon après le CSP n'a pas pour but de faire 100% du jeu. Pas toutes les arènes, c'est très très long. C'est vraiment un let's play là, hein. Let's play à 1% pour un point. On peut tenter de faire le jeu. Ça c'est bah. Il est pas très long si on le prend comme tel. Comme un RPG, il est pas long pour un RPG quoi, mais bon, il est pas le tender quand même. Hein. Mais si je fais toutes les quêtes annexes, si je fais tous les trucs qui vont avec, on en a bien pour. J'en ai pour beaucoup trop de temps en fait. Du coup, je pense pas que je ferai l'arène. Hein. ご到着でございます。はい。はい。かしこまりました。あんたはホテルエンデの支配人でございます。あんた、支配人ってことは教皇庁の協力者か。大変なことになった。ルリディスが司祭がさらわれた。早く助けに行かないと。どこか心当たりはないか。教皇庁の協力者ならこの辺りの地理に詳しいだろう。 T'es pas obligé de menacer les gens avec ton poing, tu sais. T'as rien fait, le pauvre groom là. Bon, je sais pas vraiment où on va s'arrêter, hein, mais comme j'ai dit, les vidéos dureront pas 10 minutes. On va continuer encore une petite quinzaine de minutes, je pense. Ça fera 35-40 minutes, ça sera parfait. Non, non, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Bla 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 bla. Je vais aller au hall de fin. Quand vous avez terminé le jeu, ça va dans une partie, vous pouvez directement fermer dans la zone, une des zones finales. Je ne sais pas. Ça, j'ai des notes comme ça, donc si vous voulez les lire, au pire vous mettez sur pause. Vous sauvegarde. Ah, la dernière sauvegarde date de 2016, ce jeu. J'ai pas joué depuis un bail. Je me suis dit, vu que le 2 est sorti il y a pas longtemps, que ce soit au Japon ou chez vous, je me suis dit, allez, hop, j'avais envie de faire ce let's play sur ce jeu. Cette série du coup hop allez je refais le 1, il est moins long que le 2 et puis il est très très bon le 1 de toute façon. Ah, donc, qu'est-ce qu'il faut faire ah bah oui c'est ok.
Ah non, merde. Fallait que j'aille dans... C'est genre, ah ouais, je sens mon barre équipée un peu. Merde, je me suis encore gouré. C'est en observant. Oula. Bon. Ouais, leur stupide didacticiel, putain. Allez, on va pas tâcher un truc débile pour commencer. On a ça. Non. En fait, je préfère attacher à... Ah oui. Oh putain. Bon, ça va être bon là. Ouais, c'est bon. Mais c'est bon. Laisse-moi partir maintenant. Voilà. Bon, bon, on va commencer le premier chapitre, hein. On n'est pas pressé. Je pense pas qu'on va arriver jusqu'au boss, sinon ça pousserait la vidéo à une heure, j'ai pas envie de faire les une heure. Au pire, je connais à peu près les points de passage du jeu, je pense qu'on va s'arrêter au premier checkpoint, enfin au premier, à la première porte checkpoint. Ça sera suffisant, je pense. Une bonne 35 minutes. Ça sera largement suffisant. C'est bizarre de... Pas une nouvelle partie là, on a rien. On est habitué à avoir toutes les armes du jeu, tout ça. C'est toujours bizarre de reprendre un jeu à des zéros. C'est vrai, j'ai jamais trouvé mieux reprendre des jeux de zéro. Enfin, tu le fais quand même, mais... Au début, j'ai toujours frustré. On travaille au fou là dans ce level. En fait, ouais, le seul truc que je reproche aux deux. Finalement, c'est bah, y a plusieurs défauts, mais le principal, c'est le level design en fait. Je trouve que les décors, l'ambiance, elle est tellement mais épique dans ce jeu. Avec les... On est plus dans le gothique tout ça dans le 1, alors que dans le 2, on est plus dans des... Bah, vous verrez de toute façon, mais ouais, je préfère l'ambiance du 1. Après niveau scène des personnages, les deux s'en sortent très très bien, hein. L'héroïne du 2 elle est très bien aussi. Bon après ça va pas Arnis, mais... ça va, Arnis est quand même dans le 2. Donc... Bon en disant ça je peux spoiler la suite, mais... je ne peux pas grand chose. Mais bon elle est pas jouable, elle vous accompagne quand même dans le 2. Mais non, j'avoue que ça vaut pas Arnis quand même. Par contre, le 2 est plus compliqué que le 1, par contre. Clairement, dès le début, le 2, il peut vous... Il peut être compliqué quand même. Au moins ils ont gardé l'essence même du truc. C'est toujours aussi Yuri. Ah bah, c'est un point important, et on ne déconne pas. C'est rare non plus dans les jeux où il y a de l'homosexualité comme ça.
D'habitude, c'est toujours tabou, des trucs comme ça. Comme je l'avais dit sur la vidéo de présentation, moi, ça m'a plu. Enfin, je veux dire, ça change un peu. Mais là, pour une fois, c'est pas un espèce de héros complètement pourri, c'est une héroïne. Des héroïnes. En plus, elles sont win. Eh, on va pas se mentir. C'est Goldy. C'est complètement Goldy, 100%. Tout Carny, c'est les waifu matériels. Hein. 100% waifu là-bas. Autant sa copine, j'ai jamais trop aimé son skin, autant Arnis, ça va, elle passe de loin. Salut, monsieur. J'aime pas trop ce skin. Ah, par contre, dans le 2, j'aime toutes les héroïnes du 2. Mais là, la Lily, j'avoue qu'elle est belle quand même. On compare Arnis, elle est stylée, elle est classe, elle est. Connard de mob. Priorité avec les pets, c'est de looter un loup. Il me faut un loup très rapidement. Les loups sont overfit. Enfin, le loup il est super bien pour les groupes de mobs. Pas pour les boss, mais pour les groupes il est bon parce qu'il fait des chaînes de mobs en fait. Son attaque elle fait des chaînes. C'est très bon, et en plus on ne loue pas très loin. Au deuxième niveau, on commence à looter des loups. Des lunettes. Mais oui, on fait ce qu'il faut. Ce qui est marrant, c'est que vous pouvez renommer vos pets aussi. Certains de vos pets sont bien nombreux, des fois. Non, franchement, le jeu il est génial. Même le 2, finalement, comme j'ai dit, il est moins bien que 1, mais il est quand même bon. De toute façon, c'est un. Il a juste été un peu rushé, je trouve. C'est dommage. De toute façon, j'expliquerai tout du 2 quand j'y jouerai, mais là, en deux mots, ouais. Tout ce que je reproche au 2, c'est qu'il est moins inspiré, ça. Mais bon, si on a kiffé le 1, y a pas de raison. Enfin, moi, j'ai kiffé le 1 à mort, même. J'ai bien kiffé le 2 quand même. Quoi. Même si, voilà, comme je dis, faut être objectif. Le 1, il est plus. Le 2 n'est pas dégueu quand même. On n'est pas au niveau du 1, hein, je le répète encore. Mais ça reste un bon jeu. C'est pas une suite complètement dégueulasse, quoi. Alors que certains jeux ont se tapent des suites complètement nulles. On retrouve le style de la série, tout ça, donc, à partir de là. Après, donc, le seul point positif. Un peu supérieur au premier, c'est évidemment le gameplay. Dans le 2, il est heureusement, j'ai envie de dire, plus nerveux et plus il y a plus d'impact sur les mobs. Ça, heureusement, c'était amélioré. C'est le seul truc où normalement, c'est dur de se rater, de faire moins bien. C'est un peu bizarre quand même. Et dans le 2, il y a un système de compétences beaucoup plus poussif que le 1 aussi. Ah, vous verrez ça plus, encore une fois, vous verrez quand on fera le 2. Hein. Vu que mes vidéos vont durer une 45 minutes dans le 1, je pense qu'il ne va pas y avoir 100 vidéos, il va y en avoir une peut-être 20, 25. Ça dépend, je me rappelle pas vraiment des events du 1, mais bon, vu que je vais pas faire l'arène, je vais pas faire certaines quêtes annexes, pas faire tous les events non plus. Je pense qu'on en a pour peut-être une quinzaine d'heures, ce qui veut dire qu'on va faire des vidéos peut-être un peu plus quand même. Je verrai en fonction du temps que je mets, que je le paye, hein. Je vais m'en garder deux quelques fois, sûrement même. Vers la fin, le jeu est assez compliqué. Il y a pas mal d'allers-retours aussi dans le jeu, comme dans tous les semi-RPG ou RPG. Hein. Donc ça reste quand même un semi-RPG, comme j'ai dit. C'est pas un RPG à 100%. Ça reste quand même un semi-RPG, donc il y a quand même des allers-retours. Bon, par contre, j'avoue,
J'essaierai d'y penser pour la prochaine vidéo, de régler le son, parce que chaque fois que je fais un combat, on entend créer une espèce d'explosion, ce qui gâche un peu la musique. J'ai bien les téléphones qui traînent ici comme ça. どうしたの?戻るタイミングは自分で決める。それより、この電話は何?隣には変な扉もあるし。支配に何か知ってるん?ああ、すみません。ちょっと電話が遠く。 Seigneur, tout le temps la meuf, c'est abusé. Elle est enragée. Oh merde, faut que je branche la manette. Oh, C'est genre de checkpoint dont je parlais. Je pense qu'on va s'arrêter à ce checkpoint. Histoire de pas commencer, vu que le boss est assez long quand même, il y a un event avant le boss, tout ça. Du coup, ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là, ça fait une vidéo d'une 35 minutes quand même. Ces portes, ça permet de revenir donc à l'hôtel, hein, comme il vient de l'expliquer, ça permet de sauvegarder votre progression aussi, dans le sens où quand vous finissez une nuit, ça vous calcule, ça, j'allais dire, ça, vous verrez de toute façon. En attendant, on a fini la première partie de la nuit. Non, voyons. C'est ma balayette. Un nouveau démo. Actualize complete. Sophia. Ouais, allez. Tu vas taper Sophia. Un truc ici ou là, c'est là, ça. C'est tout ça. Au début du jeu, faut monter ses PV. C'est le plus important. Quand vous êtes vers la fin du jeu, par contre, faut monter l'attaque. PV, vous commencez à en avoir assez. Laisse-moi tranquille le jeu. Bon, et bah voilà, hein. Comme j'ai dit, on va s'arrêter là pour la première vidéo. On va sauvegarder un coup. Bon, bah. Comme j'ai dit au début, j'espère que ça vous plaît. Enfin, que ce début vous donne envie de voir la suite. Au pire, on fout, de toute façon.
Ouais, si je parle doucement, si je parle pas trop fort, c'est parce que, bah, comme j'ai dit, j'ai aucune raison de gueuler dans ce jeu-là, donc... Bref. Sur ce, bah, on va s'arrêter là. Et donc, je dis une prochaine vidéo. Sur ce, bah... Bisous. Bye bye.